à cette première de 1995 où il y a de l'effervescence et où il fait très chaud. Oui, ça brasse pas mal. Je me sens vraiment bien. En fait, je me sens ravi de faire partie de cette affaire-là. J'ai l'impression que les films de Ricardo, c'est devenu un classique québécois. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je dirais que je me sens ravi et choyé de faire partie de, du classique Ricardo Trogi. Et je vais prendre ma bière à l'instant. Oui, parce qu'il fait chaud, une petite gorgée. Cheers. Cheers. Cheers, tout le monde. Après la gorgée, Michael, si tu avais eu à faire la course Destination au monde, parce que toi, dans le film, tu animes, tu es l'animateur de la course Destination au monde, mais si toi, tu avais eu à faire la course, quel pays t'aurais choisi et pourquoi? Ah, je pense que c'est compliqué parce que j'aurais choisi probablement un pays asiatique, genre le Japon, parce que je trouve ça mystérieux. Mais en même temps, mon réflexe numéro un, c'est de faire des jokes. On dirait que je me vois mal faire des jokes au Japon. J'ai peur de faire des jokes. Oui, mais non, mais tu sais, dans le sens que tu sais, je ferais comme j'aurais un réflexe de. Tu sais, faut que tu réagisses vite à la course. Là. Fait que je pense que j'aurais eu un réflexe de faire des quelque chose de d'absurde ou de quoi de même. Fait que là, c'est là, là? OK, on s'en va faire la photo. Ben, la prochaine, parce que ça fait longtemps qu'il m'attend. Vas-y. Mais on peut recommencer. On va continuer quand tu reviens. Je vais faire la photo avec le fameux Pierre et je reviens. Salutations, Pierre. OK, je garde ta bière. Tu peux prendre ta gorgée, hein? T'es revenu. Si tu avais eu à revivre une époque, parce que je présume que tu as vécu ces époques-là, 1981, 1987, 1991 ou 1995, laquelle tu revivrais et pourquoi? Ben, assurément, 95, tu sais, ben oui. Mon secondaire, là, tu sais, début... mon début de secondaire, non. Ça serait 95, parce que je trouve... Tu sais, il y a des gens qui ont une nostalgie d'une certaine époque. Moi, j'ai la nostalgie de ces looks-là, de cette musique-là, de cette vibe-là. Je m'ennuie du jeans, je m'ennuie beaucoup du... Je m'ennuie des bébés, comment je... Ouais, enfin, je dirais ça, je pense. Mais t'écoutais les bébés ou t'écoutais d'autres choses en 95? Ma sœur écoutait les bébés. Elle était amoureuse des bébés. Et, moi aussi. Ouais, avec raison. Puis j'ai toujours un peu voulu être Patrick Bourgeois. Fait que je vais dire, j'écoutais un peu les bébés, dans le fond. Hey, bonne première, Pierre Thérien, juste en arrière de toi. Ça te fait quoi de le rencontrer? Hey, j'étais vraiment content. Parce que veux, veux pas, tu sais, fallait que je le joue. Fait qu'on essayait de faire des... T'sais, on essaie d'imiter la dégaine. T'sais, on voulait pas faire un pastiche, mais... Fait que là, je l'ai regardé beaucoup, beaucoup là, en vidéo et tout ça. Puis là, de le voir en vrai, je suis comme... c'est comme un honneur un peu. J'ai comme vraiment l'impression d'avoir joué quelqu'un d'important. Je suis bien, bien, bien content. Ben moi, c'est un honneur de te rencontrer. Oh, t'es tellement fine. Merci. Merci. Hey, je pense que ça sonne. Je pense qu'il faut y aller. Téléphone! C'est la course! Ce jour-là, ma vie allait enfin prendre un nouveau tournant. Bienvenue à cette première de la course 8 Globetrotters qui vous invite à les suivre à la découverte du monde. Ça va commencer vite, donc! Tu m'appelleras quand c'est lui. Laisse faire! I'm Younes. I'm Ricardo. Why do you go to Egypt? To make films? I think I have a really good idea for your film. Really? Oh yeah. Ça prenait de l'ouverture pour voyager comme je le faisais. Puis le fait que je l'ai rencontré dans un avion, ben ça me donne un genre de confiance. Salima! Ah, si que j'aurais dû rester couché. When I wake up. Je cherchais un sujet de film. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'une danseuse. Je connais peut-être une comédienne qui accepterait de faire ça. Hop là! C'est quoi le sujet de ton prochain film? Tout ce que je peux te dire, c'est que ça va être mon meilleur. Là, c'est drôle, parce que juste au moment où je pensais que tout allait bien, ben, devinez quoi? Calis, Younes! You have a package for me? It's a camera. Can I see your form, please? What form? C'est difficile d'être un artiste. Ben, je peux au moins essayer. Mais oui, tu peux essayer. Mais promets-moi, si ça fonctionne pas, tu t'acharnes pas. Je trouve qu'il a effleuré son sujet. Je ne connais rien. Combien vous donnez? Ricardo, c'était ton plus beau film! Après 24 ans de questionnement sur ce que j'allais faire dans la vie, j'allais enfin être sur mon X. Mon ancienne vie allait être terminée. J'allais devenir Ricardo Trogi, le réalisateur. Ricardo Trogi, ça vient d'où, ça? Puis ça, ben, c'était mon premier meeting.